Hello Magic Service, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de la Dapper Day et pour le Pixie Day puisque nous fêtons les 15 000 abonnés même si nous sommes 16 000 et pour ça je vous remercie parce que c'est trop ouf. Donc là il est 11h30 et on va au premier rendez-vous donc spécial Disney Bound qui est donc Fantasy Gardens. Voilà. Hello. Coucou. Elle est juste trop jolie, donc moi je suis en berthe. Et vous verrez ça du coup dans la vidéo How to Disney Bound. Et notre chère Nicole est en Wendy. C'est trop belle. Et allez, on y va. Mes deux alter ego de la journée, donc on a Berthe et on a notre autre Berthe, membre de la Pixie Army. Ah, en force! Voilà, je suis contente. On est au Walt Disney Studio avec une petite membre de la Pixie Army qui s'était croisée à la Fanbase. On va au nouveau rendez-vous, donc le premier c'est un rendez-vous Disney Bound uniquement. Et là on va du coup au rendez-vous gourmand, justement pour le rendez-vous plus vintage Dapper pur. Je n'ai pas encore testé cette année, je vais pouvoir manger. J'espère que mon bretzel au fromage est là, voilà. Nick et Judy, vous êtes à Pixie Army en plus? Oui, pas moi. Ah, ça va alors, vous appelez comment? Maxime. Lisa. Bah, enchantée. Bienvenue dans la Pixie Army. Et regardez-moi ces tenues. Vous les avez fait vous-même? Non, je l'ai fait faire. Tu l'as fait faire? Ouais. Par un créateur du coup? Par une amie, elle s'appelle Juliana et elle fait des super. C'est Princesse Gourmandise, je crois. Oui, Princesse Gourmandise? Voilà. Ce sera dans le vlog. Voilà, c'est ça. Ça lui fera un peu de pub. C'est elle qui a fait le gilet. Je prends les détails. Et les pins, ils viennent d'où? Pins, ils viennent des États-Unis. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Génial. Magnifique. Et toi, du coup, c'est toi qui l'as fait? Ah, tu cours? C'est moi qui ai fait la carotte. Bah, vous avez du talent. La rencontre des canards. Duck Family. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. C'est notre chère Silicate. Et ouais. En petit Disney Bound. Non, même pas Disney. Non, pas Disney. Enfin, inspiration Blanche-Neige comme d'hab, mais c'est tout quoi. Ouais, mais ça rentre. Voilà. Non, mais je te dis, je me fais promission un jour de te Disney Bound en vintage. Mais tu pourrais? Ben grave. Oh, ça pourrait être pas mal. Bon, après, j'avoue. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien. En plus, toi, tu les réussis tes bains. À chaque fois, ils sont réussis. Moi, j'adore. J'ai tout donné là. Ouais. Je suis à fond. C'est trop cool. Non, et puis bah il va falloir que je mange. Je n'arrête pas de parler comme ça. Mais pense comme ça, putain. Non, mais je comprends. Moi j'ai déjà mangé, mais toi je comprends. Hein. Bah ouais, surtout qu'il faut que je reparte. Parce que du coup, je suis les 14. Mais je suis trop contente de te voir. Quelle vie. Grave, fast life. Vite youtubeuse, on saute au vlog. Salut. Est-ce que ça serait pas pour youtubeuse par hasard? Tu es sûre? Je ne crois pas. Non, je sais pas, j'ai pu la voir. T'es trop belle en jaune. Bah toi aussi. Bah du coup Elisa est en Disney Bound de Jane. Voilà. C'est Inception le délire. Et du coup on part manger en team. On s'apprête à rejoindre le chalet Savoie je crois. Puisque la raclette et la tartiflette sont au programme. Alors pour moi c'est un grand test. C'est Elisa qui m'a recommandé le sandwich raclette. Thank you.
Donc me voici de retour dans le parc principal où je vais faire un shooting photo avec Mrs. Renard avant le meet-up. Comme vous avez pu le voir, c'est une journée un petit peu mouvementée, mais c'est toujours un grand plaisir. Non mais les détails. Non mais 90 heures de travail, j'en reviens toujours pas. Mais ça les vaut. J'espère que tu prévois de les porter tous les jours jusqu'au reste. Quasiment. Je vais être enterrée avec d'ailleurs. Non mais magnifique. Non mais non. C'est sûrement ce qui va se passer à la fin de la journée. Hein. Bah, arrête. Ah non, faut que je le fasse, c'est joli. Vite, attendez. Je vois une princesse. Comme vous avez pu le voir, j'ai encore raté le bateau de la Dapper, donc j'ai pu assister au costume de Laurent, c'était cool. Et là, du coup, je me prépare à me rendre au meet-up. J'ai 7000 abonnés. Voilà. Et je suis juste trop contente parce que j'ai croisé plein de membres de la PC Army tout au long de la journée, ça fait juste trop plaisir. Coucou! Derrière toi. Salut! Hello tout le monde! C'est drôle, tous les gens un peu perdus par ici sont pour moi. On se met dans le coin. Salut! J'ai l'impression de faire la parade, c'est bien. Salut! Il y a trop de gens! Salut! Ben non! Elle aime pas qu'on la gâte, elle m'a dit tout à l'heure. Et ben c'est trop tard. Il faut que t'arrêtes de me gâter. Hein. Oui, bah oui, c'est vrai. Oh, trop bien. Si, elle est passée, mais c'est moi qui dis. Mais attends, mais ils étaient pas ceux-là, j'y suis allée quand? Mercredi, je crois. Il va falloir que j'y retourne, super. C'est pyjama bambou. Je suis désolée, je vous fais déballer tous les achats. C'est pas grave. Oh. Bon, bah voilà, vous savez ce qu'il y aura dans mon prochain haul, hein, les gars. Je suis abonnée depuis une semaine, mais j'avais envie de te voir. Ah bah, bienvenue dans la Pixie Army de façon officielle. Ça veut dire que tu fais partie des gens qui m'ont permis de passer les 16 000 cette semaine. Oui. Donc merci. Et j'avais un petit cadeau même pour toi. Oh. Putain, pardon, il est beaucoup trop beau. Ça venait du cœur. Ça venait du cœur. Ah bah, il était sincère celui-là. Je montre. Ah, il est trop beau. Là, à tout le monde, tu l'as fait toi-même? Oui, enfin j'ai triché, j'avais un modèle, mais oui. Ouais, enfin il est quand même beau. Excuse-moi. C'est beaucoup trop joli. Bah voilà, bah, il va être accroché chez moi, dans les décos de Noël. Il est trop joli. Trop beau, merci beaucoup. Un bisou. Oui, c'est déjà bien. Coucou la team de tout à l'heure. Je fais des gros coucou. De façon plus officielle. Là, c'est l'heure officielle. Salut, Nicole. Salut, Nicole. Vu comment je suis chargée, je ne me voyais pas écrit. C'est vrai, c'est déjà pas confortable. C'est ce qu'il me semblait. De toute façon, on a un peu plus de temps. Salut, j'arrive. Alors, vous avez fait une journée du patrimoine? Oui. C'est bien. Très intéressant. Ça, moi, j'aime pas. Oui. Tu t'appelles? Anthony. Ravi. Donc, du coup, pour les 16 000. J'en étais sûre quand j'ai vu les 982, j'ai dit c'est bon, c'est pour les 16. Mais franchement, j'y croyais pas. Hein. Je crois que tu crois pas depuis les 10 000 en fait. Mais depuis zéro en fait.
Ah, t'es venu exprès pour moi. Ça, c'est les personnes qui viennent à tous les meetups, ça fait juste trop plaisir, quoi. Vous êtes les habitués. Oui, on est les habitués. Grave, salut. Jenny, hein. Je suis derrière la caméra. Jenny aussi. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Qui dort. Ouais. Dommage parce qu'elle te connaît bien. Mais ah oui, oui. Ah oui, elle regarde. Ça me fait trop plaisir de savoir qu'il y a des petits bouts. Elle regarde, elle connaît. Elle a quel âge? 2 ans et demi. Ah oui, ah bah ça doit être la plus jeune. Je crois qu'il y a 4, 5 ans, 2 et demi, je suis pas sûre. Il y a un moment, hein, Jack, qu'elle regarde. Ah ouais, c'est vrai. Elle regarde avec sa mère depuis la naissance. Ah ouais, limite. Et du coup, vous me regardez en famille? Oui, trois générations. C'est mignon. Oh, je peux pas te faire un très bon cadeau. Et je me sens trop comme Jean-Pierre Pernaut, les gars. Ça, vous allez être beaucoup à le savoir, je pense. Quelle est ma prochaine destination Disney? Tokyo. Pardon. Excuse-moi. Bon, je peux te l'offrir d'office. Hein. Alors. Tiens, mademoiselle. Merci. Tiens, le premier sur les quatre. Pourquoi porter ma dernière vidéo? Allez, dis celle-là. Parce que même moi, j'ai du mal à m'en souvenir. Je sais, c'est sur le vlog la fin des 25 ans. Oui. Yes. C'est ça. Un point. Donc la dernière question est déterminante. Sentez la perle de sueur sur votre front, les filles. Attention, on verra qui c'est. Alors, citez-moi une collection d'objets Disney que je n'aime pas. Genre, par exemple, des Tintin, des Disney. C'est un meurtre. Sachant que ce sont deux trucs que j'aime. Les fans de Copa. Oui. Bah voilà, on a notre deuxième gagnante. Ça, si vous connaissez pas, vous êtes viré de la petite arme, les gens. Hein. Cusco, le bronze. Oui. C'est ma chanson, c'est ma chanson. Ah, c'est la meilleure chanson. Cusco. C'est une de mes chansons préférées. C'est Cusco. Ouais. Mais c'est quoi la chanson? Encore Coco Colossal. Ouais, c'est ça. On le chante tout le temps. J'oublie. Mais du coup, ça veut dire que c'est quand même Kiwan qui a le plus de points. On va l'applaudir. Hein. Voilà. 15K. Merci beaucoup. De rien. La dernière épreuve, c'est un QCM de culture générale sur Disney. Donc c'est des questions plus ou moins difficiles sur culture générale Disney. Du coup, première question. Quel est le premier long métrage des studios Disney, son année de sortie? Dis-donc, t'es au taquet, oui? Ouais, j'adore les jeux en fait. Blanche-Neige 1937. Quel est le dernier parc Disneyland ouvert dans le monde? C'est Shanghai. Troisième question que vous connaissez si vous avez suivi mes vlogs. Comment s'appelle l'île privée Disney visitable uniquement via lever la main en premier? Vous avez vu ou pas? Moi j'ai entendu derrière moi. Hein. Non, moi je t'ai vu. Je pense que c'est encore la même personne. Moi, je t'ai vu, là. Non, pour moi c'était cette personne, mais après. Ouais. Vas-y, cast arrêté. C'est ça. Mais du coup tu as gagné le dernier, il me semble, hein. C'est ça? Oui. Bah voilà, bravo. Bravo. Voilà, félicitations. Maintenant, bravo à tous. Allez-y. Une bonne petite vidéo de vous. C'est pas un truc de fou, alors je sais pas où c'est. Alors chacun un petit mot personnalisé, du coup. Ça, c'est la carte de l'illustratrice, du coup. Ah, celle qui a fait... Ouais. Qui devait venir aujourd'hui, d'ailleurs, mais qui n'est pas là. En tout cas, elle est très kawaii, elle est mariée. Il y a un autocollant de Mary Poppins. Et oui, il y a le... Oui, c'est bien ce qu'elle porte ici. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Et après, il y a des bonbons. Du coup, tu disais que tu avais utilisé l'application pour les journées du patrimoine. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, pour l'instant, j'en ai fait qu'une partie, mais je le trouve vraiment bien. Carte. Et en fait, chaque endroit que tu es trouvé, en fait, t'as des points d'interrogation. En fait, ce sont les lieux que tu dois y être pour connaître davantage un peu sur les secrets. Et tu dois zoomer en fait avec. Est-ce que t'as testé les vidéos et mini-jeux? Oui. Et qu'est-ce oui. que ça donne pour les vidéos? Pour les vidéos, bah, c'est court, mais je connais un petit peu en fait. Ah, c'est toujours sur les secrets, il n'y a pas, ouais. Je sais pas, des vidéos du savoir-faire, ce genre de truc, parce que moi c'est là, ce que j'attendais. J'ai eu une dernière sur le savoir-faire au niveau des panneaux. Ouais, il y avait des vidéos sur ça alors. Sur Main Street. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand tu es sur la zone et que tu appuies, tu as quelques minutes en fait pour
trouver exactement. En fait, et comme ça, tu gagnes des points. En fait, c'est comme si tu jouais. Et t'as aussi des mini-jeux. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment bien. Mais tu vois, pour les vidéos, moi, c'est ce que vraiment j'espérais. C'est-à-dire que comme on peut pas voir le savoir-faire des gens comme nous expliquait tout à l'heure, je trouve ça cool qu'il y ait des vidéos comme ça où tu puisses avoir. C'est l'ambassadeur qui explique. C'est pas forcément. Ouais. Celui qui fait le métier, pour l'instant c'est ce que j'ai vu. Ah c'est pas une démonstration du métier alors, enfin faite par l'artisan. C'est très professionnel, c'est presque une sorte de publicité et ça dure une minute. D'accord, ok. Ouais mais je pense que ça rajoute quand même quelque chose par rapport à la... Mais apparemment il paraît que ça dure plus d'une heure, donc là je n'ai fait que sur mes... Ouais, tu vas la tester demain? Là je vais tester Ah d'accord, ok, t'y retournes. Parce que je peux pas retourner. Ouais bah oui, je comprends. Et aussi t'as des zones où tu peux faire un serpent et tu peux aussi gagner des points et le partager sur... D'accord, ah c'est sympa. Ouais c'est un peu ludique. C'est pas mieux de le faire si ça pourrait pas se garder hors dehors du journée du patrimoine parce que après tout c'est pas comme si on engageait des guides, tout ça. Ouais je suis assez d'accord. Mérine a eu l'occasion de tester l'application. Oui. Et elle disait que du coup t'avais des vidéos et des contenus exclusifs, des mini-jeux, et qu'en fait tu peux voir un petit peu le savoir-faire de l'artisan et tout ça. Et t'as un temps imparti et tu gagnes des points en fait, tu accumules. En fait c'est l'application est meilleure que... L'application est mieux que la visite guidée. Ouais. De toute façon nous on a terminé la visite guidée en nous disant d'ailleurs, en disant si vous voulez approfondir la visite, vous avez l'application. Ouais, donc en fait, ils considèrent vraiment que l'application est quand même... Ouais, ils en font quand même la promotion, même pour la visite guidée. C'est drôle, ça, quand même. Et tu peux nous montrer, du coup, ce que tu as eu en bonus pour la Pixie Army, parce que je suis très jalouse, sachez-le. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça, je suis jalouse, tu vois. Et ça doit être un cadre très rare. Il est magnifique. Je voulais juste te dire merci pour toutes tes vidéos, parce que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'es quasiment la seule youtubeuse Disney que je regarde avec Maureen, ta super copine. Et vraiment, tu m'as apporté beaucoup parce qu'au début, j'arrivais pas à assumer que j'étais fan de Disney alors que je le sais depuis que j'ai 4 ans. Et ça fait vraiment trop du bien. Merci beaucoup et tu me remontes toujours le moral. Encore merci Tata Pixie pour toutes tes vidéos, tout ça. Et encore félicitations pour les 16 000 abonnés. Donc bravo pour les 16 000 abonnés. Toujours aussi heureux de venir à chaque meetup. C'est un réel plaisir. Et je suis Carmé. J'ai été le caméraman. Donc si vous entendez un mec derrière la caméra, c'est moi. Voilà. Mais merci beaucoup. Donc on fait, on dit bisous bisous bisous. Ouais. Bisous bisous bisous. Bisous 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 bisous. Tu fais un coucou au vlog. Salut, ça va? Voilà. 3 heures après, tout à la fin. Le meilleur pour la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, moi, non, 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 je l'ai pas encore, c'est je suis très gênante, c'est une maladie. Non, mais j'avais promis que j'allais Je l'ai cherché, hein. Franchement je l'ai cherché aujourd'hui et je l'ai trouvé. Sarah, quelque chose à dire pour la vidéo? Alors je vends une Renault Scénic. Contactez-moi au 4, c'est très important parce qu'elle est en bon état, je l'ai bien. Franchement, s'il vous plaît, parce que j'en ai marre et tout. Merci. Voilà ma Pixie Army pour cette journée un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir, riche en émotions pour moi. Donc Dapper Day, mais également un énorme meet-up avec la Pixie Army, riche en émotions là encore. J'en profite pour vous remercier puisque nous sommes plus de 16 000 au moment où je vous parle, c'est juste énorme. Je vous aime du plus profond de mon cœur, je pense que vous le savez, enfin en tout cas j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que ce vlog lui aussi vous a plu. Je sais pas trop ce que ça donnera au montage. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les journées du patrimoine, j'ai fait un article de blog sur pixietubeuse.com. Je vous invite à aller voir. Vous aurez tous les détails de cette journée. Et je voulais également profiter pour remercier du coup toutes les personnes qui sont venues me voir quelques secondes, quelques minutes, qui ont échangé avec moi, qui ont pris une petite photo. Ça me fait juste hyper chaud au cœur, ça me donne tellement de force pour continuer. Et enfin juste merci. Voilà. Je vous fais de gros gros bisous, ma Pixie Army, je vous aime très très fort. Et à la prochaine. Bisous, bisous, bisous. Voilà, on passe pour les tarés.